Allez, aujourd'hui, comme je vous l'avais précisé dans la vidéo précédente, justement dans ce premier vlog que j'ai fait pour la chaîne de Terre Secrète, je vais aller retrouver mon ami Jérôme. Le soleil se lève, comme je viens de le dire, il va faire très très beau. On va aller dans un endroit aujourd'hui qui va être très propice, je pense, et on aura peut-être l'occasion de pouvoir faire de la détection avec le propriétaire des lieux, parce qu'il aimerait bien découvrir cette passion que l'on a tous en commun. Donc voilà, on va y aller. On va préchauffer mon vieux taco. Tiens, justement, on me pose souvent une question intéressante. On me dit pourquoi ton volant est à droite. Il n'est pas à droite, en fait. C'est quand je filme, ça inverse l'image. Mais il est bien à gauche. Yes. Allez, c'est parti. On vient d'arriver sur la zone à prospecter. Regardez-moi cette superbe autorisation qu'on a ici. Et Jérôme est déjà tout près du camion là-bas. Et il a déjà une première découverte. J'ai même pas encore allumé mon détecteur. On va aller le rejoindre tout de suite. Allez, j'ai garé mon vieux taco ici. Et ça sonne déjà pour Jérôme. Mon détecteur est là. Moi, il est même pas allumé. Il vient juste d'arriver là. Et regardez, il nous fait un très très joli. C'est un couvercle. Oh, superbe. Alors Lyon, si ça commence comme ça, on va pas le frotter trop fort. Tourne-le, si tu veux, Jérôme. Ah oui, il est plein de terre. Bon, on nettoiera ça. On fera une belle photo comme d'habitude. Vous commencez à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis forcément, regardez. Oh, ici, hein, Jérôme, qu'est-ce que tu en penses? Un beau cadre. C'est un super cadre. Regardez-moi tous ces gros arbres. Comme dit Jérôme, c'est un superbe terrain de jeu, c'est une propriété immense ici. Il y a vraiment de très 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 jolies choses. Il y a même une rivière. Regardez comme c'est beau. On va foncer, c'est sûr. Allez, je suis agenouillé ici. Et on a une monnaie juste là. Moi, je la frotte très vite à la main. C'est une... Oh, superbe, je croyais que c'était une 20 centimes. Jérôme est dans le fond là-bas, donc je suis tout seul avec le caméscope. Et c'est une 20 francs coque extra. On va pas la frotter plus, c'est pas la peine. Voilà, oh, superbe. Je pense que c'est un endroit qui tient toutes ses promesses ici, c'est sûr. Allez, Jérôme, il fait dans les objets aujourd'hui. Regardez ce qu'il nous trouve là. Extra, vous savez, je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Je crois que c'est un toqueur, un truc pour... Vous savez, toquer sur les portes, tu vas nous montrer ça, Jérôme. Regardez comme c'est ancien. On pense que c'est ça. Hein. Vous laissez des avis. Soit que c'était fixé comme ça. D'accord. Avec une déco. Et toc, toc, toc. Voilà. Ou alors, mais c'est vraiment... Alors, je sais plus exactement comment on appelait ça. Regarde le verre de gris qui revient dessus. Ouais, je vois ça. Oh, superbe! Regardez comme il est beau. Mets-le dans le creux de ta main. On va lui faire un très joli plan au niveau de la déco. Attends, ici, là. Hop, sur le côté, là. Comme ça, si tu peux le mettre. Comme ça, voilà, bouge pas. Regardez comme c'est joli, ça. Superbe. Voilà. Je pense que c'est ça, hein, pour toquer aux portes. Allez, laissez-nous des avis sur cette découverte qui me semble bien sympathique. Hein. Allez, tu fais partie, c'est parti pour la déco, toi, Jérôme. Déco, je vais vous meubler, moi, vous allez voir. Allez, on y retourne.
Regardez-moi la taille de ce chêne, incroyable. Il est superbe. Et oui, ça sonne derrière moi. Encore notre ami Jérôme. Juste ici. Allez, c'est une monnaie. On va la brosser tout de suite. On va la brosser doucement, hein, Jérôme. Hein. Tranquillement, on y voit la patine. Allez, c'est peut-être une... Elle est abîmée. Hein. C'est peut-être une napoléonienne. Mais là, dans le creux de ta main, je vais faire un gros plan. Tourne-la dans l'autre sens. Allez, on verra ça au nettoyage. On va regarder tranquillement. Je vous fais un gros plan. La frotte pas trop fort, Jérôme. Sinon, tu vas te faire gronder par les abonnés. Encore. Ouais, c'est vrai. Ouais. Allez, on fera un nettoyage. Ouais. Hein. Et puis, on va continuer. Nous, on a les propriétaires des lieux qui viennent d'arriver. Donc, on va se présenter. Et puis, c'est parti. On y retourne. Alors Punchy, t'as pas dit bonjour aux abonnés? Tu sais qu'on parle beaucoup de toi sur la chaîne là. Hein? Bonjour ma fifille. Encore tout près d'un arbre, regardez, j'avais deux sons ici. Je vais venir vous montrer ça. Le premier et le deuxième, c'était très similaire. Et pourtant, ça c'est... Écoutez le son. Un très joli son à 95 pour ce colorix. Alors je sais pas ce que c'est du plomb, hein. Un gros morceau de plomb, c'est extrêmement lourd. Et juste à côté, on a à nouveau une décoration. Je ne sais pas du tout ce que c'est, une décoration ou un couvercle de quelque chose. Ah, il y a deux trous. Ouais, c'est un gros bouton, ça, Jérôme. je ne sais pas ce que c'est. Allez, on laissera des commentaires. On ne traîne pas sur cette découverte. C'est joli, en tout cas. On trouve quand même des choses intéressantes ici. C'est sympa, c'est diversifié et c'est exactement ce qu'on aime. Donc, on continue de fouiller la zone. On arrive sur un son ici. Vous avez vu comme ça claque ça? Et dès qu'on quitte la cible, extra. Allez, c'était pas très profond. On m'avait déjà parlé de ça. J'ai pas bien retenu ma leçon parce que j'ai vu ce côté-là. Vous voyez, c'est quand même là depuis longtemps dans le sol. Et regardez l'autre côté. C'est écrit Securitas. Et il me semble qu'un des abonnés m'avait parlé justement. De cette inscription Securitas, et je ne sais plus sur quelle découverte il m'avait parlé de ça. Mais en tout cas, laissez des commentaires, je ne sais pas, c'est pas un bouton, c'est peut-être une tirette. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Oui. C'est possible, hein? Tirette de sécurité. Voilà, tirette de sécurité. Bien joué, dis donc. Superbe. Bon, en tout cas, allez, je mets ça dans la boîte et puis je ferai une photo et vous laisserez des commentaires là-dessus. On se rapproche de l'habitation, je pense que c'est là qu'on va faire le plus de découvertes, à mon avis. Donc on fonce, nous. Allez, hop, on arrête de bavarder. Jérôme nous a fait un hochet de porte tout à l'heure. Et là, allez, il est en plein dans les décos, lui, hein. Je pense qu'il est parti pour nous construire une porte. Regardez, c'est une jolie poignée de porte, je pense. Pas de commode parce qu'elle est quand même très grosse. Hein. Hop. Superbe. Décidément, on a de très jolies découvertes dans cette propriété. Extra, regardez ça. Ça, c'est ancien. Il faisait de jolies poignées quand même hein, à l'époque. Ah, oh, superbe. Tu as des motifs dessus, exact. Je vais faire un... Mets-les dans ta main. Je vais vous faire un très très joli plan sur cette jolie poignée. Oh, regardez comme elle est belle. C'est vraiment extra. Allez, frotte pas trop sinon tu vas te faire gronder encore. Allez, on fera une photo évidemment. Et puis on continue. Continue.
Regardez-moi la taille du scarabée. Malheureusement, il est mort. Il est mort. Oh merde. Oh, le pauvre. Il faut lui faire mal, hein. Non, hein? Il risque plus d'y faire beaucoup de mal. Hein. Oh. Mais il est dans ta main. T'as faim, Jérôme? Tu sais que c'est plein de protéines, il paraît. Hein. Oui. Non, je blague. Oh, il est énorme, incroyable. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut détecter tout près des arbres, on n'est pas loin d'un très très gros arbre. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Tu vois ce que c'est, Jérôme, ça? Avec ses petits... Tilleulier. Un tilleulier. Super, en tout cas, c'est très beau. Et regardez, c'est là que ça se passe. Je vais sortir ma brosse. C'est une médaille. Ma brosse, allez. Avec une colonie de gendarmes qu'on a à nos pieds. Oh là là, incroyable. Il y en a partout. Vous avez vu ça? Allez, revenons à notre médaille. On va la frotter tout doucement. Mais je pense que je la nettoierai au camion parce que si on peut ne pas trop l'abîmer, ce serait parfait. Regardez, voilà, il y a du boulot. Hein. Mais en général, j'arrive à bien les récupérer, ces médailles. Donc c'est assez cool. On va aller manger, nous, parce qu'on a faim. Hein, Jérôme, t'as pas faim, toi? Pire que faim. Pire que faim. Donc on va aller manger. Et puis, on aura plus de force après pour continuer. On vient de voir des chevreuils tout à l'heure passer. Là, c'était superbe. J'ai essayé de les filmer. Je ne sais pas si je les ai eus. Ils ont été tellement vite. On verra bien. Allez, j'ai fait cette médaille tout près de ce tilleul. Hein. Je suis pas certain, on n'est pas certain, moi et Jérôme, que ce soit un tilleul. Et lui, il arrive près de ce chêne ici. Et regardez, allez, chacun son arbre, chacun sa découverte. Avec l'empreinte. Avec l'empreinte. Oh, extra, regardez, ça a l'air d'être superbe. Mets ça au milieu de ta main. Je vais faire un gros plan direct avant que tu la frottes pour montrer. Regardez ce qu'il nous trouve là, Jérôme. Hop, bouge plus. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce une médaille ou... Allez, frotte-nous ça doucement. Hein. On va la frotter vraiment doucement. Même avec les mains, si tu peux, tranquillos. Non, ça ne va pas s'abîmer, rien. Stop. Oh, oh, ça a l'air joli, ça. Regardez ça. Origan. Origan, t'es sûr? Non. Avec une belle étoile. Regardez-moi ça. Et tout en haut, il y a une inscription. Hein. Ouais, et eh ben on verra ça. Au nettoyage, t'as rien de l'autre côté? Non. Non, c'est l'envers. Allez, frotte pas plus. Ça, c'est l'envers. Et là, on a l'endroit. Oh, superbe, vraiment. Je vais essayer de lire. Origan, c'est ça. Hein. Ça oh, c'est une plaque de vélo. Je vois cycle en haut. Ah oui. Regardez. Hop, c'est une plaque de vélo. Oh, superbe, elle est vraiment très belle. Elle est très originale, celle-ci. Oh, extra, bien joué, cher ami. Donc, moi, je fais les médailles et toi, tu fais les plaques de cycle. De cycle. Et je continue, je vais voir si le vélo n'est pas autour. En même temps, il nous trouve des poignées de porte et puis des, comment on a dit, hochets. Ouais. Des hochets pour la porte. Bon, bah, si tu peux nous trouver le vélo. Le vélo, ben ouais. Ça va être cool. On y retourne. Oh, super. Extra, hein. Ouais. Ça, c'est vraiment de jolies découvertes. Qu'on aime bien faire.
petit air à Jérôme là, cette fois-ci, non? Regardez-moi les jolis, je sais pas si on appelle ça des fruits, en tout cas c'est un très joli laurier. Palme. Palme, allez on arrive là. Et ça c'est pas un laurier. Regardez ce joli couvercle, c'est ça Jérôme? Je commence à le frotter. Allez zoom, montre-nous ça. Il est super, il a des beaux motifs. Montre-nous la face supérieure. Allez, bouge plus. Oh, regardez, il y a des... On en a fait un, je crois, déjà. On en a fait un plus petit tout à l'heure. Ah, je sais plus la grandeur. Regardez comme c'est joli, ça, avec... Attends, bouge pas, je vais essayer de le... zoomer dessus. Regardez les jolies décorations là-dessus. Bouge pas, Jérôme. C'est superbe. Oh, il est beau, hein. Alors, c'était découvert de quoi, ça, à ton avis? Allez, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. C'est joli comme tout. En tout cas, c'est très ancien. Super. On le voit bien que c'est ancien. Hein. C'est clair. Il fait très lourd, là, à nouveau. Là, ça y est. On a bien mangé. Et on a bien chaud. On va continuer. Il y a des gros arbres ici. Il y a vraiment des super zones de prospection. Donc, on va fouiller partout. Et on est... On va aller se diriger vers ces gros sapins que vous voyez là-bas. Vous avez vu comme ils sont balèzes au niveau du diamètre des pieds. On va aller tranquillement là-bas. Regardez ici, tout doucement, le trou qu'on vient de faire. On s'y est mis à deux. On avait un son. Mais regardez tout ce qu'il y avait là-dedans. Je vais vous montrer. Le son est ici. On a sorti tout ça qui était plus une plaque hein, ici. On a sorti toutes ces grosses plaques là, avec des inscriptions dessus, c'est des tuiles. Hein. Ouais. Et sous les tuiles, c'était ça. On s'est dit, oh, ça sent bon ça. Et regardez ce qu'on trouve sous les tuiles. Oh, c'est peut-être à suivre ça. Tiens. Voilà. Eh ben, c'est ça. Bourgogne. J'en viens pas. C'est ça hein. Ouais, Bourgogne. Ah là là. Et sous ces grosses tuiles. Allez, je sais pas ce que c'est peut-être un vieux cocotier. Il est en plomb. Moi, oh, je pense pas. C'est une décoration, hein, que s'en pense Jérôme. Ouais. Voilà, j'ai fait une blague à Jérôme. J'ai dit, t'as vu, il y a encore l'œuf à l'intérieur. C'est enlevé d'ailleurs. Ouais, c'est de la terre ou je sais pas ce que c'est. L'œuf. Ouais, c'est peut-être l'œuf. Hein. C'est jaune, comme un œuf. Voilà, regardez le trou. Ouais, l'inscription dessus. Incroyable, je vais me mettre dedans. Regardez ça. Oh là là, jusqu'au genou. Ouais. On fait un trou jusqu'au genou pour ça. Et c'est cassé, c'est dommage. C'est une jolie décoration en tout cas. Et il y avait de la vaisselle à l'intérieur. Il est en train de me donner tout ça, Jérôme. Tout ça était sous les tuiles. Et c'est ça qui sonnait sous les tuiles. On a fait un bon trou de 50 cm, là, facile. Beaucoup de transpiration. Allez, pour ce cocotier, on va dire préhistorique, on va se diriger vers ces gros sapins là-bas. On va mettre ça de côté, tous ces déchets. Et puis, on va continuer. Je ne sais pas exactement si vous avez une idée de ce que ça peut être, ce genre d'objet. Il n'y a pas d'inscription ? Il n'y a pas d'inscription dessus, il n'y a rien. Je le nettoierai quand même, je le viderai. Si c'est un œuf qui a séché dedans, ça va. C'est de la terre. Bon, on verra ça. Allez, on va aller se diriger tranquillement vers ces gros sapins. On va reboucher ça et on va récupérer un peu. Allez, on n'est plus très loin du sapin. J'ai un son, moi, ici, que je sors. C'est un objet. J'appelle Jérôme. Je vais sortir ma brosse parce que, regardez, allez, ça peut être anodin comme ça. Mais il y a une signature là-dessus. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Et la signature, elle est en haut. Où je passe mon doigt, là. Vous voyez ça? Je ne sais pas. Non, on ne voit pas trop.
mais pas trop près, t'es trop... Hop. Allez, je vais la brosser quand même. On va brosser ça. Il y a bien une signature, je sais pas ce qu'il y a d'inscrit là-dessus. Incroyable. C'est ancien, c'est écrit très très fin. Je sais pas à quoi ça peut correspondre. Bon, on regardera tout ça. La signature, elle est là. Peut-être, je sais pas, un nom et un prénom. Mais on nettoiera tout ça et on va bien finir par savoir ce qu'il y a d'inscrit sur cette plaque. Oh, ça me plaît bien de trouver ce genre de choses. Moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois quelque chose de très ancien avec quelque chose d'inscrit dessus. Là, c'est vraiment écrit avec une fine gravure. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est très lourd. On continue toujours vers ces sapins. J'espère qu'on aura de jolies surprises, hein, Jérôme, en continuant par là. Et puis, on vous reprend dès que ça ressonne à nouveau. On est arrivé sous ces gros arbres, regardez ce gros chêne juste ici, et ici on a ce très très vieux sapin incroyable. Il est vraiment magnifique, regardez la beauté un peu de ce sapin. Et là on a un son derrière, et oui évidemment c'est encore Jérôme qui frappe, et c'est une fiche à lacets, c'est ça Jérôme, hein. Explique-nous un peu, tiens. Ah bah c'était des fermetures de portes ou de placards. Et regardez comme elle est très vieille celle-ci. C'est fixé sur le dormant ou l'ouvrant et il manque l'autre partie. D'accord. Et là, elle est vraiment énorme et magnifique. Elle est âgée celle-ci. Hein. Ah oui. Toujours pareil. On vient d'entendre le bruit d'un chevreuil là, juste à gauche. C'est chevreuil ? C'est un chevreuil là, juste à gauche. Là. Il doit être dans le bois. J'espère qu'on va pouvoir en filmer un. Hein. Ce serait cool. Alors, Punchy est au camion, elle est restée dans le camion, elle a marché un peu, elle est fatiguée. Je la laisse se reposer, si vous vous posez la question où elle est, elle dort. Elle est vraiment superbe, regardez ça. Elle est vraiment très ancienne, non ? Hop, voilà une belle photo sur cette fiche. À lacet. À lacet. Je suis dans les portes, moi, entre la poignée et l'autre matériel. Exactement, en fait, c'est vrai. Depuis qu'on détecte aujourd'hui, Jérôme nous a fait alors... Le hochet, la poignée, la fiche à lacets, ouais. Et la porte, on la cherche, mais du coffre fort. Tu vas la trouver. Allez, on continue. Jérôme, il est en train de plier son matériel. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire une suite à ce numéro, évidemment. C'est tellement immense ici. On a vraiment de quoi... on a un beau terrain de jeu. Hein. C'est magnifique ici. Franchement, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises au niveau des découvertes. Donc, on se retrouvera au prochain numéro. Ne le manquez pas, surtout. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, eh ben, tant pis pour vous. Voilà. Le pouce bleu. Et le pouce bleu. Oh, on dit ça, nous, le pouce bleu. Jamais, mais maintenant, on le dira. Maintenant, on le dira. Allez, pouce bleu et on partage. Et puis, soyez présents au prochain numéro. Prenez soin de vous et vive la détection. Salut, ciao. Ciao.